Bonjour et bienvenue, on est reparti. Donc on va faire une citadelle, la dernière fois j'en avais parlé. J'avais dit que ce serait ou citadelle ou alors récupérer la Spida qui est ici, mais c'est un peu loin. Du coup ce sera la citadelle en premier. Donc ouais, parce que vu qu'on n'en a fait qu'une seule de citadelle, on va en refaire encore une. Donc on a Héliostima et deux. Donc on va prendre les mêmes, hein, on va prendre les mêmes. J'ai utilisé quelques PC. Alors, attendez, on prend l'équipe. J'ai utilisé quelques PC de Phoenix Point, okay. Pour débloquer certaines choses. Ah tiens, lui il en a 20 aussi. Lui, ce qu'on pourrait lui prendre, ce serait. Avec 20. Lui, il a plusieurs choses à prendre. En fait, dans la branche Berserker, il y a plein de choses utiles. Genre, ignore la douleur, super utile. Pousser Adrénaline, super utile. Esquive rapprochée, super utile. Anti-blindage, super utile. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Même la férocité, en fait, c'est super utile. Genre, toute la ligne de Berserker est super utile. Elle complète énormément de jobs, en fait. Avec 20 points, qu'est-ce qu'on peut te prendre? Je dirais pas non. Pour ça. Panique et contrôle mental impossible. Ça m'intéresse en fait. Mais après, je dirais. Anti-blindage. Anti-blindage pour détruire le blindage. Ça peut être utile. Ah, je sais pas. Alors, on va prendre Ignore douleur. Ignorer douleur. Pour le moment. C'est plus intéressant. Parce que être immunisé contre le contrôle mental, honnêtement, c'est vraiment bien. Après, j'ai donc utilisé quelques points. Donc pour le moment, elle, non. Lui. Donc j'ai pris liquidation rapide et courir. Plus tard, je lui prendrai offensive, je pense, et c'est tout. Après le reste. Après ça, oui, prêt pour l'action potentiellement. Et férocité, évidemment. Il y a beaucoup de choses à prendre à chaque fois. Hein. Donc ouais, je lui ai fait ça. Comme ça, la dernière fois, j'en avais parlé du système, en fait, de comment je voudrais l'utiliser. Donc là, ça y est, là, il est prêt à fonctionner, en fait. Donc ça, elle, je lui ai aussi pris liquidation rapide. Ça y est, maintenant, on n'aura plus qu'à augmenter ses stats. Je crois que. Ouais, Vincenzo, je lui ai augmenté sa volonté parce qu'il en a. Il était un peu à la ramasse. Enfin, depuis qu'il est prêt, ça marche mieux. Toi, j'attends d'avoir 30 pour désigner pour mourir. Ça peut être une utilité. Ça peut avoir une utilité. Et elle, je lui ai mis quelques volontés. Je lui ai mis 2 points de volonté de plus parce qu'elle était trop à la ramasse. Normalement, je pourrais tirer 2 fois maintenant. Je crois. Je crois que j'ai assez de volonté pour tirer 2 fois. C'est parti. Dernière vérification pour les grenades de feu, parce que ça c'est quand même vachement utile. Ouais, toi t'as des grenades normales et de feu. Toi t'as des grenades de feu, feu, feu. Ça marche. Ouais. On est bon. On est bon, on est bon. Donc on va faire un peu le même système, encore une fois. On va essayer de mettre du virus. Alors je sais que maintenant, à mon niveau, je crois que les Pandoriens deviennent un peu résistants au virus. Mais pas totalement. Ils sont genre à la. Je crois que c'est. Ça fait 2 fois moins de. Ça fonctionne 2 fois moins. Mais ça va. Ça devrait quand même passer. Si on a l'occasion, on fait le virus. Gauche, ça a l'air pas mal. Parce qu'à droite, il faudrait du coup se positionner là, c'est un peu plus loin. Alors que là, on pourrait se mettre ici et on a juste à gérer ce coin-là et ce coin-là. Par contre, j'espère qu'elle viendra. Ouais, enfin, la gueule que ça a à chaque fois, ces trucs, ça vient quoi. Ouais, on va peut-être. Ouais, on va se déplacer là. On va camper ici. On va camper là.
et on va essayer de la faire venir. On va essayer de la faire venir. Et si ça se passe bien, on va pour les coffres. Mais les coffres, ce sera vraiment en dernier recours, quoi. Du coup, il faut faire attention à ça. Eux, ils peuvent pas venir sur le côté. Parce qu'il faut regarder ça aussi. J'ai remarqué que des fois, il y avait des emplacements, des passages en fait, où les trucs pouvaient se déplacer sur les côtés. Ou alors nous avoir, nous tirer dessus. Ok. Alors attention à vos oreilles comme d'habitude. Ça réveille ça. Ça réveille. Alors, pack de drones araignées. On va le mettre là pour le moment. Je veux pas qu'il soit détruit non plus. Pushing on. Toi, il faudrait que je te soigne, toi. Y a personne. Ok. Vous avez tous détecteurs de mouvement quand même, les mecs. On est d'accord. Ouais. D'accord. Intéressant. Bon, bah c'est l'heure de s'avancer alors. On va se mettre là si jamais il y a des renforts sur la gauche qui arrivent. Parce qu'Alexander, il a une bonne perception, hein, donc il devrait voir les choses venir. Moving. Holding position. Toi aussi, faut que je te soigne. Ah, toi, tu peux pas trop bouger, faut faire attention. T'es un peu exposé, par contre. I'll keep both eyes open. I can make a difference. Hop. Très bien. Ah, j'entends des choses qui cassent. Lui, faut pas le tuer, faut lui casser la pince et la tête et après il se cassera. Parce que si on le tue, il va faire apparaître l'ombre là, c'est une horreur. On a des sirènes. Ouais. Elle est où exactement? Laisse-moi bouger la caméra. J'arrive plus à savoir où on est. Ok, on est là. C'est une sirène quoi ça? Ah! Une sirène normale, ok, ça marche. Intéressant. Ok. Ah,
va se mettre là. Les autres araignées, elles vont avancer, on les fera avancer après. I'm ready. Ok. On sécurise cet endroit. I see them. Ok, là. Right there. Le truc a été alerté. C'est pas trop trop grave. De toute façon, elle peut même pas manipuler, elle peut même pas attaquer psychiquement les gens, donc ça va. En théorie, il n'y a que lui qui est un danger pour le moment. Moving now. Faudrait que je soigne les gens. Qui c'est qui a besoin de soins? Toi. Je sais pas si on met une tourelle. Non, on va commencer à mettre les tourelles ici et ici. Ou enfin, dans le terrain de combat. On peut faire de l'Overwatch avec un lance-flamme. Okay. Tiens, on va te mettre là, toi. Faut que je place les snipers pour qu'ils aient une vue. T'as 5 de volonté, toi. Mon Dieu, tu me rends fou, quoi. Je peux même pas te faire ça. Même pas faire ça deux fois de suite. Très bien. J'ai pas assez de points pour soigner, merde. I'm here. Ça me paraît. Ça, toi, tu restes là. Bah, à la limite, il n'y a que celle-là qui devrait rester. Toi, tu vas avancer. Ok. Ouais, alerte ici, ça va. Bon, il n'y a plus les snipers, c'est un peu embêtant, mais bon, faut qu'on combatte là. Ouais, il va y avoir du monde. Ok, le mec qui tire sur l'araignée. Nice. Là, on va le tuer.
Ouais, ça va être un problème ça. Je sais pas ce qu'elle fout la sirène. On va faire un mur de flammes. Tu vois quelqu'un, toi? Non. Toi, t'as un lance-grenade, tu fais chier. Alors, donc on a ça, qui est un problème. Et on a deux tireurs. Ça marche, ça marche, ça marche. Les deux tireurs. On pourrait commencer un peu le chemin des tourelles, mais bon. Après, il faut les replacer, quoi. Enfin, on en a trois, je crois. Alors. Réfléchissons. Alors, je pense que là, il va falloir faire un mur de flammes, de toute façon. Parce qu'il y a cette merde, là, qui va bouger. L'ombra. Et ça, c'est un problème. Toi, tu peux mettre un... Ok, toi, tu vois strictement rien en plus, c'est bien. Ok, toi tu peux faire un bon mur. Ok, ça marche. Toi tu peux pas faire grand chose. Let's see now. Toi aussi tu peux faire un mur. Oh là là, quel chemin de merde. Ah oui, je voulais te soigner. Pas mal. Je me demande si on aurait pu faire plus de dégâts avec quelque chose qui... avec le gosse. Moi je dirais que non. Tiens, on peut lui détruire le moral alors qu'il n'est pas apparu. Intéressant, ça je savais pas ça. Jamais fait attention. Alors toi, j'ai envie que tu balances une grenade et que tu te mettes en Overwatch. Je crois que toi, tu vas aussi te mettre en Overwatch. Le problème, c'est que je voudrais bien toucher lui là. Ou alors elle peut se mettre là, balancer une grenade en arrière. Ça peut être pas mal aussi.
peut être pas mal aussi. Les snipers, on va mettre un leurre, je crois, à côté de la tourelle. Pour plus ou moins faire en sorte que on soit pas attaqué. Après, tu peux te mettre où? Oh, putain, il n'y a pas d'endroit, en fait. Ah, si, de ce côté-là, mais bon. C'est un peu sketch. I'm repositioning. Ah, bien et en évidence. On my way. J'espère qu'il n'y a personne sur la gauche, mais bon, pour l'instant avec l'araignée, on n'a rien vu et tout. Très bien. Covering. Il y a un truc là. Tu vois quoi, toi, là? Acquiring targets. Ça, sentinelle de l'effroi, on s'en fout. They can't stop me. Ok. Alors que vous avez en scié les deux. Là, vous êtes trop en arrière. Here. Ouais, on peut faire ça. Toi, tu peux... Toi, tu peux te mettre là. Executing. Hop. Très bien. On n'a pas touché la... La sirène, mais c'est pas un problème vraiment. Ah. Très bien. On se met en Overwatch. Je pense que ça va pas être assez pour le tuer. On verra. Tiens, t'as une vue sur ça? Cool. J'arrive pas à voir mon Overwatch. Ok. Je pense qu'elle, on peut la rappeler. S'il n'y a pas vraiment des gens qui vont nous courir après de là, ils vont sûrement surtout venir de là, donc du coup... Faudrait pas que l'autre vienne en même temps. Ah, ça tape, hein. Ça tape. Elle doit pas être loin. Ok, la sirène, elle... Okay. Ah. Ok. Très bien. «
Ah, lui, il va faire chier avec son lance-grenade. Ça, c'était mon araignée. On a encore des packs d'araignées, donc c'est pas trop grave. Voilà! Bien. Ok, il est en train de faire le tour parce qu'il y a le feu. Ok, ça, j'avais pas pensé à ça. Bah, du coup, ça les pousse à faire tout le grand tour, en fait. C'est quoi ce bruit? Alors... Ah! Je sais où elle est. Elle a détruit le dôme, donc elle est juste là. Donc ouais, elle va sûrement vite venir. Bon, ça c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, on tue un peu les petits pour que... Pour qu'on ait un peu de morale. Toi, on peut faire un peu de tir. On est comme ça, elle aura moins de morale. Aïe aïe aïe. Me fais pas utiliser toute ta volonté pour rien, s'il te plaît. Ouais, en fait, tu voyais quasiment rien, quoi. Ça marche. Bon, bah, il va falloir avancer. On va sûrement commencer à venir. Faudrait qu'on bloque l'arrière aussi, j'avoue. Les gens ont plus de frénésie. On va leur mettre frénésie, attention. I'm ready. Il a quoi comme arme, lui? Il va faire mal, lui. Faire mal si je passe devant comme ça. I can make a difference. J'aurais dû garder pour un leurre. What's our plan? Toi, t'as beaucoup de défense. On va faire ça. What's our plan? Très bien. C'est le Fury qui a pris surtout, donc ça va. C'est vrai, il faut qu'elle soit prête à lui balancer toutes les bastos pour le virus. Si jamais on nous attaque, elle nous attaque maintenant. Donc il faut que les gens soient prêts. Parce que là, elle commence à foutre le bordel ici. Elle va sûrement commencer à venir très vite. Toi, t'as encore une grenade de feu. Toi, je crois que t'en as encore une aussi. J'ai envie de balancer une grenade de feu en arrière pour bloquer ce passage, en fait. En train de me dire. Je vais t'exposer, là.
Toi, t'es un peu proche. Let's see now. On va faire ça. Nickel. Ready to engage. I'll keep my eyes open. Nickel, nickel. What's this? Toi, tu vas nous faire ça. T'as pas encore l'habilité pour en balancer 3 d'un coup, mais... Mais voilà, quoi. Ok, toi, tu vas te mettre comme ça. Toi tu bouges pas, toi la tourelle t'as joué. Non, t'as pas joué toi, mais on voit rien. Ah. Ah. Enfin, quoi que c'est pas très grave en fait, parce que oui, la tourelle le défonce vite, y a pas de, y a pas d'armure. Donc à la limite, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Là, on est super loin, donc ça va. Ah, s'ils savent pas où aller, du coup, bah ouais, ils essayent le feu. Ils essayent le feu. Ça, ça doit être peut-être un truc qui se met sur la tête, là. Qui se met sur la tête. Ah, lance-grenade. Non, ça va. Ouh, bien. Tu fais quoi, toi, du coup? C'est bien, ça leur fait perdre du temps. J'aurais bien voulu lui couper la tête, comme ça elle fait pas son cri. Ok. Savoir du monde, commence à se paquer petit à petit. Le triton est dangereux. J'aurais pu faire un meilleur tir, honnêtement. Bref, c'est pas grave. De toute façon, là, on peut les laisser. Toi, il faut voir absolument que t'avances, par contre. Faut absolument que tu avances. Ah, de pas pouvoir te mettre frénésie. Il faudrait quelqu'un d'autre en fait qui puisse mettre frénésie, mais bon, c'est un peu compliqué quoi. On va pas faudrait mettre tout le monde prêtre. Après, honnêtement, quand on y pense, avoir des prêtres partout, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Vu ce qu'ils font. Genre rien que d'avoir des points de volonté en supplémentaire tout le temps, c'est pas dégueulasse.
Bon, elle est juste là, j'imagine qu'elle va vite venir si on se commence à se positionner ici. Si je me mets dans le feu, ils vont essayer de taper dans le feu. Ce serait marrant, tu vois. Preparing to fire. Pince améliorée. Peut-être pas mal. Plus de grenades de feu. Standing by. Déployez leur. Que je fasse gaffe à ta volonté parce que oui, si tu commences à être bas en fait. C'est pour vraiment bloquer l'arrière et pas avoir à se faire chier avec l'arrière là. Making haste. I can make a difference. Ah bah, ils sont à côté de lui, donc ils vont récupérer un peu de volonté, c'est très bien. Je sens que je vais la perdre, la tourelle, c'est pas grave. Aiming. Voilà. Un peu de dégâts. Après, on peut faire ça s'il y a vraiment quelqu'un d'assez fou pour foncer. Toi, je sais pas trop ce que tu vas faire en fait. Ah si si, tu vas balancer grenade sur grenade. Attends. Toi tu vas balancer grenade sur grenade. Faut faire ça. Pour lui détruire la carapace. Quand elle viendra. Ouais, pour lui détruire la carapace quand elle viendra. On balance deux grenades explosives avec anti-truc là, anti-blindage. Comme ça, ça aidera un peu. Et je pense que ça se passera bien. Enfin, j'espère. Faut lui mettre beaucoup de virus au début. Ça y est, elle arrive. Ouh, c'est un bon truc bien vénère en plus, hein. Bien muté quoi. On dirait du Doom quoi. T'as perdu tes jambes. Eux, ils savent pas trop quoi faire. T'as perdu ton lance-grenade, je crois. Très bien. Hop, t'es mort. Elle nous a pas vu encore, peut-être. Alors, c'est possible qu'elle nous ait pas encore vu, en fait. Si la Regina doit être la plus puissante, je crois. 4600 de vie. Alors, il y a une explosion sonique qui étourdit les cibles. Résistance au virus. Préparer les canons.
Éjection mortelle. Ok. I'm ready. Je crois que personne la voit en fait. Du coup, elle nous a pas vu. Donc elle est pas en alerte. Je vais me mettre là pour faire appât avec elle, si elle peut venir. Ouais, elle va sûrement... Je crois qu'elle nous a pas vus, hein. Je sais pas, elle était beaucoup moins... Elle était pas vraiment très très violente, en fait, dans ses mouvements. Lui, il s'est mis en bouclier, donc du coup, il nous a vus. J'en sais rien, en fait. Je vais être franc, je sais pas. De toute façon... On va devoir commencer. Pas trop. Comme ça, ça c'est bien. Ah, peut-être ça, juste avant la fin du tour. Toi, il faut aussi que t'avances. Ça lui bloquera le passage. Quatre de volonté, le leur. Faudrait plutôt le mettre genre là. On a quand même beaucoup de monde en fait. Ok. Let's make this happen. On Overwatch. Let them come. Toi, tu peux. On peut faire du feu. On peut en théorie déjà faire du feu. T'as vu sur ça. Executing. Je dirais pas non. Je dirais pas non à faire du feu déjà. Cadeau. Bienvenue en enfer. Moving. Est-ce que ça vaut le coup de tirer? Pas vraiment, je préfère t'avancer, comme ça tu seras prêt à tirer. Pas envie d'être visible, donc on va se mettre. Je sais que la tourelle de gauche est visible, par contre, par la Scylla, ça m'embête un peu.
Si jamais elle passe, on va lui mettre quelques bastos. Toi, du coup, pour le moment, tu restes en stand-by. Et après, une fois qu'elle sera là, on la massacre à coups de grenade. Parce qu'elle, elle va sûrement passer dans le feu. Elle s'en fout. Elle s'en tape. Du coup, on va pouvoir lui faire le feu. Alors on pourrait aller là et le faire exploser à la limite, ça pourrait aider. Parce que de toute façon, il y a des risques, ça ne sert pas à grand chose. Ah même du coup j'enlève le feu. J'ai merdé. Ça fait chier. C'était con de ma part ça. J'ai merdé. Ouais, on va remettre du feu. Ouais, j'ai merdé. J'avoue, faut à chaque fois que je réfléchisse, quoi, pour les explosions. Bon, moi, ils ont pris cher, ça va. Ok, go. Ah là là, quel con. Et le feu est toujours en arrière, ça va. Allez, cool, cette musique. Ah, tu vas pas me dire qu'il la bloque? Eh oh, ma tourelle, bordel. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il la bloque. La blague, sans déconner. Il est en train de la bloquer, elle veut pas avancer. Là, t'as kiffé la tourelle, bien dans ta gueule. Là, je vais pas être bien placé en fait pour faire le virus. T'as combien de 48 sur 68, 66 pas. Ah, c'est compliqué là. Ça devient compliqué. J'aurais bien voulu qu'elle se mette là, qu'elle commence à taper, tout ça. Enfin, qu'elle commence à pas taper, parce que c'est ça. J'ai pas envie de me faire taper, mais... Elle commence à foutre le bordel. Ah, attendez. Frénésie. Ok, c'est déjà peut-être un peu mieux là. Bon après je serais... Ouais, mais après je serais complètement exposé en fait. Après j'ai envie de dire, si elle bouge pas... C'est sa faute quoi.
Bon, on n'a pas un chargeur plein par contre. Bon, résultat des courses, c'était un peu de la merde. On va tuer ça déjà, ça fera genre un moins 5. Ah putain, ah non si c'est bon. Oui c'est bon, t'es... Ok. Ça marche. C'est stressant. Ta 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 ta. Qu'elle soit en plein milieu, mais si jamais elle arrive à tirer avec la taille du machin, si jamais elle tire sur Rosa, honnêtement, je la tape quoi. Bon, sniper. Alors, voir un peu. On a des greux. Mais le problème, c'est que je vais enlever le feu si je fais ça. Ok, là, il manque, ouais, il manque plus que deux. Si je fais anti-blindage et poussée d'adrénaline après, ça marche ou pas? Ça a l'air de marcher. Donc on peut le faire dans ce sens-là. Moins 127 d'armure. Ah, c'est pas mal là. Je pense que c'est pas mal. Bon, cette tourelle, je crois qu'elle va vite crever. Qu'est-ce qu'elle fait ?
tourelle, elle a essayé, mais pas pu. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas où aller à cause du feu, putain. Bon, ce combat est très étrange. Faudrait la doter en fait. J'ai même pas pu la tuer quoi. Faudrait la doter. Très bien. J'ai même envie de prendre une grenade d'elle parce qu'elle va être occupée à faire d'autres choses. Ok, il n'y a plus de feu ici. C'est le moment de l'autodestruction. Je vais peut-être me mettre là, s'il faut on peut détruire la barricade. On peut pas. Ce n'est pas grave. J'aurais pu faire ça quand même, maintenant que j'y pense. Covering. Faudrait recharger, j'ai pas de recharge pour ça. On va absolument lui mettre du poison, genre ça. Ouais, on va peut-être lui mettre du poison. Là, si jamais elle avance, on lui mettra du poison. Parce que là, on pourrait, le temps qu'elle met là, à pas venir et tout ça, on pourrait lui mettre du poison. Target hit. Est-ce que t'as une grenade à partager? Non. T'as quoi? T'as 18 points. Toi, t'as 43. Toi, tu vois que la créature, ça marche. Bon, bah du coup, ça.
Ok. Ah, alors. Voilà, brûle-toi. Brûle-toi. Ça y est, elle nous a détecté enfin. Lui faire le cri de guerre. Donc ça va, je peux lui faire le cri de guerre. Donc ça, ça réduira ce qu'elle peut faire. Bon, par contre, les gens derrière, ils vont commencer à venir. Ouais. On va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Je pense pas que la tourelle puisse bloquer tout le monde. Eh merde. Alors, toi. Ah non, t'es étourdi, tu peux pas faire un cri de guerre. Ça marche, ok. Ça marche. I'm here. What's our move? On va pas exploser, on va juste rester là avec l'araignée. Avec de la chance, ça va bloquer un peu les trucs. Une vue de merde, hein, quoique t'as l'abdomen. T'as l'abdomen, ok. Here. Toi t'as quoi? Pareil. Ok, ok. Receiving loud and clear. Ready to engage. Aiming. Steel on target. Steel on target. Se mettre comme ça. De toute façon, ils peuvent pas faire grand chose. Tu peux recharger ça. My turn. Toi t'es un peu bloqué. Ouais, non. Pas mal, pas mal, pas mal. Je sais pas trop. On va peut-être devoir bloquer avec du feu en arrière. On va voir. Parce que là, on lui a brisé l'armure le plus possible, donc il n'y a plus grand chose à faire en fait avec lui. Ok. De toute façon, je peux pas faire grand chose avec les autres. Hein. J'ai rien. Balancer une requête, mais. C'est tout. Je préfère qu'elle patauge encore un peu dans le feu.
Toi, tu peux te mettre là, à l'abri des autres, à la limite. Ouais. Ok, bien. Peut-être Sonic. Ah, cool, comme ça, elle pourra plus nous étourdir. Où est-ce qu'elle va? Ah, elle est en train de se positionner pour toucher le plus de gens possible, je crois. Ouais. Ouais. Elle est spéciale, elle. Hein. Honnêtement, je préfère les autres. Hein. Elles sont moins prédictibles, en fait. Oh, l'enfoiré. Ah, c'est chier. Putain. Bon, on a des techniciens, ça va. Bon, on n'est pas encore en danger, mais ça se corse un peu. Ok, donc toi, tu es en train de faire ton attaque. Donc, en pleine préparation pour activer une capacité spéciale au tour suivant. Donc, c'est ça. Un puissant canon à plusieurs coups. Explosion 80, déchiquetage 30, rafale 10. Portée effective 30. C'est quoi? C'est juste en ligne droite du coup, j'imagine. J'imagine que c'est ça. Par contre, elle a 3 canons. Moi, j'en vois que 2. Hein. Genre, il est où le troisième? Je comprends pas. Je sais pas. Bon. Alors, fais voir. Fais de l'anti-blindage juste pour que ça soit encore plus meurtrier. Ça va. C'est bien ce que je pensais. Très bien. Alors, qu'on soigne lui. Toi, faut que tu bouges. Toi, t'as encore de la vie. Ça m'embête. Si je me mets là, je m'expose un peu, mais il faut absolument soigner lui. Hop. Voilà. Let's show them what we can do. Bien.
Très bien. Non, je vois un peu. Alors on va imaginer que c'est en ligne droite, hein, donc on va devoir pousser les gens. Et que c'est pas en cône. Si c'est en cône, ça va être la merde. J'ai envie de dire, normalement, si je me mets là et que je lui vide mon chargeur, ça peut être pas mal, non? Moving now. On peut faire ça. Ou alors on la bombarde. Peut-être qu'on attend qu'on soit plus proche et on, à la place on fait badaboom et on la bombarde de grenades histoire de lui casser plein de trucs. Enfin, j'en sais rien en fait. Les jambes sont très très blindées. Il y a l'abdomen générateur. Il y a les bras. Je sais pas si ça fait assez de dégâts ça en fait. C'est quoi, 70? Puis après toutes les grenades. Ouais, 50. Je pense que ça est mieux. Il faudrait qu'on soit plus proche quand même. Je pense qu'il faudrait qu'on soit plus proche. Allez. That should have gone better. Je peux voir un peu. 750, ça va. Par contre, niveau virus, ça marche pas, hein. En fait, faut quoi? Faut qu'elle touche des parties qui n'ont pas d'armure. Je vois pas pourquoi elle n'arrive pas à lui mettre du virus. Ready. Toi, il faut que tu bouges. Absolument que tu bouges. Zooming in. Attack successful. C'est ce qu'on va faire. On va te bourrer de poison. Confirming target. Succeeded. Ah merde. Faut que je recharge. Ah putain. Chier. Merde. J'ai déjà utilisé mes recharges. Bah non, bah recharge. Ah, c'est un point d'action pour recharger. Oui. Ok, on a encore les tourelles. Hein. On va te mettre... là. On a encore les tourelles. Donc là, on a un canon. Ok, très bien. Et un canon. Maintenant, on a encore ça. Ça va me coûter cher en tourelles, cette connerie. Voilà, très bien. Alors, bras, jambes. Il n'y a que abdomen générateur en fait. C'est peut-être ça, l'abdomen générateur qui tire. Je sais pas. Je la connais pas assez. Faudrait l'emprisonner en fait. Faudrait l'attraper. Et on est bon?
Lui, il a fait demi-tour parce que le feu. Ah, il a pas perdu son bras, lui. Ah, ça va. Il a perdu ses jambes, je crois, pendant qu'il courait. Du coup, il a pas eu assez de points. Ouh, foufou, il y a encore un sniper là-bas, ça marche. Donc je crois qu'on vient de, bah, de bloquer son tir en fait. Bah, pourquoi il montre 3 canons en fait? C'est ça que je comprends pas. On lui a détruit les bras et le torse. Et la tête, pardon. Du coup, il n'y a plus rien en fait. Bon, par contre, il y a ça. Hein. Créer de multiples petites créatures lors de sa mort. Ça, ça va être compliqué ça aussi. Il faut que tout le monde soit ensemble. Ouais, non, là, je comprends pas, du coup. Yes, it's my turn. Ok, donc, par contre, le sniper, il me fait chier, il est loin. Et il est dangereux. Comment on va faire? Est-ce qu'on essaye d'aller récupérer des boîtes ou pas? C'est un peu ça, ma question, maintenant. Cela, on peut la tuer. Par contre, il faut tuer les créatures qu'elle va pop. Est-ce qu'on a des AOE? On a du lance-flamme et du roquette. Ouais, on peut la tuer. On va la tuer maintenant, comme ça on va voir un peu ce qui apparaît en fait. Ok. 3, 6 sûrement, 6. Sûrement 6. Ça marche. Il me faut de la frénésie. C'est pas mal, hein, toujours beaucoup de points. Faut de la frénésie. Yes, it's my turn. Mince, t'as pas assez de. C'est pas grave. For my team. Faire ça. Alors, on détruit le corps. Ah merde, j'ai mal tiré. Faut qu'on aille voir. Executing. La patte en fait qui reste me gêne. Ok, là ça doit être bien là. Bon ben ça va, on a de l'équipement pour faire face à beaucoup de. Tout le monde a récupéré des points en plus. On a de l'équipement pour faire face à beaucoup de situations, ça c'est bien ça. Eux ils vont mourir donc ça va. Très bien. No choice but to keep going. Donc lui il a peur, l'autre il a sûrement peur aussi. On va devoir partir de cet endroit là. I'm here. On va se mettre en embuscade. Enfin, honnêtement, on pourrait partir.
Qu'est-ce qu'on fait? On part, on essaye de faire des caisses. Alexander, toi t'es un peu mal en point. Enfin, t'es pas mal en point, mais c'est le coup de la paralysie qui casse un peu les burnes. Plus que 4. On va... Vu qu'on est en arrière là, on va buffer tout le monde pour être sûr que ça se passe bien. Ready. Toc, maintenant tu peux un peu bouger, ça va. Techniquement, on n'a pas besoin de le faire, mais bon. C'est vrai que j'avoue que là l'armure, la grosse armure sur lui, ça serait vraiment bien, quoi. J'avoue. Ok, toi tu vas te placer pour partir. Récupération. J'espère que le feu va partir par contre. Sinon il faudra... Sinon on reste pas, hein, tout simplement. Sinon on reste pas. Sinon, on s'en va, tout simplement. Bon, il y en a qui restent là, bloqués. Ils aiment pas, ils veulent pas avancer parce qu'il y a du feu. Il y a un sniper là, en fait. Il avance pas, par contre. C'est chiant. Et il peut nous toucher de loin. Ouais, putain, en plus, il tire sur mes tourelles, l'enfoiré. Il nous fait bien chier, lui. Alors, parce que ouais, les caisses, ça serait pas mal. Il faudrait tuer cette saloperie de sniper. Faut absolument le tuer. C'est un putain de danger, en fait. Il est là en plus, hein. Il est loin quand même. Hein. J'ai l'impression que ça, je peux le faire vachement souvent maintenant, j'ai remarqué. Ça lui coûte cher, je suis d'accord, mais... Mais en fait, vu que l'autre, elle régène... Enfin non, pardon, c'est lui-même qui régène. Vu qu'il régène, c'est honnêtement très potable. Vous pouvez partir. Non, on peut pas vraiment partir en fait. Donc... On va essayer. Toi, tu restes là. Ah.
c'est un truc viral. Ça. C'est un peu nul, mais... ce qui serait bien, en fait, c'est que si je le, jamais on arrive à l'exposer, je lui fasse peur. Parce que honnêtement, à 22, je vais pouvoir lui faire peur directement. Quasiment certain de ça. Ah, peut-être que je peux déployer l'heure. Est-ce que t'es à la portée? T'es pas à la portée. Ouais, mais non, du coup t'es mal placé. La récupérer. I'm here. I'll keep both eyes open. Ok. No time to lose. On va prendre d'abord la caisse qui est exposée. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Après, c'est un peu de la merde. Faudrait que je me vide l'inventaire ou alors on y va et on récupère que le plus important. Parce que genre ça, ça c'est à la limite on s'en fout. Même les munitions, à la limite les 3 munitions, on s'en fout. Ouh, j'aime pas quand la musique elle s'excite comme ça là. On va se prendre un tir, je sais pas d'où. Voilà. Non, il a... Ah ouais, ok, ça marche. Très bien. Ça lui fait perdre du temps, c'est bien. Ah, est-ce que la récupération là de... Ah la vache. C'est le double qui fait ça. La récupération là de... On a des trucs intéressants ou pas? Pistolet. C'est vrai qu'après les munitions on s'en fout un peu parce que les munitions on peut les... on les craft instantanément en fait. Mais les choses qui sont pas craftables instantanément c'est un peu un problème. On peut prendre le pistolet à la place. Après, il reste beaucoup de munitions, mais bon, ça c'est arbalète normale, je l'utilise pas. Celui d'assaut laser, on les utilise plus. Il y a que ça, à la limite, la mitrailleuse Ghost, mais bon, ça va, c'est pas très dur à faire. Il y a que ça qui va prendre quelques heures en fait à faire, donc autant le récupérer. Ok, c'est bon. Okay, on va faire gaffe. T'es quoi toi? Tu crashes. Elle est un peu étrange en fait, parce que c'est pas un vrai build, c'est un peu chelou. Genre être assaut mastodon qui utilise ça et on l'utilise comme un vrai assaut, je sais pas, c'est super étrange mais bon. J'avoue que c'est la seule qui me paraît un peu bizarre en fait dans le lot là. Alors, toi tu peux pas... Bon, toi tu peux... My turn. Toi tu peux... Toi tu peux aussi, mais on va te mettre au centre. Can't wait. Toi tu
peu. On va te mettre là. Qui c'est qui fait la frénésie? Déjà, c'est toi. Mais ouais, tout le monde est en frénésie encore. Je... déployer l'heure. Ah, j'aurais dû regarder avec 4 points où elle va. Ouais, non, ça, tu peux sortir. Je regarde si tout le monde peut sortir, comme ça on sort au prochain tour, en fait. Mais il n'y a que la frénésie qui peut être un problème. Faut que tu te mettes là. Comme ça, tu mettras frénésie sur les gens et tu seras à la sortie. What's the plan? Et tu peux te mettre là. Comme ça, on part tous en même temps. Ouais, je pense qu'on est bon. Est-ce qu'il y a un coffre au... là-bas, où elle campe, la machin, là? Ça m'étonnerait quand même, parce qu'on n'est jamais vraiment allé là, mais je crois que c'est parce qu'elle commence là, en fait. C'est son piédestal, quoi. Oh la pute! Il a ignoré le... ou alors il a mal tiré. Vache. Bon, bah bien joué. J'avais un peu peur de ce que ça arrive, mais... j'avais un peu peur, mais après, bon, j'ai pas trop peur pour elle parce qu'elle est super résistante, mais bon. Enfin, elle a beaucoup de vie. C'est pas qu'elle est résistante. Je vais voir si je peux la soigner avant de partir. C'est pas qu'elle est résistante, là, parce que là, c'est un sniper, donc ça ignore l'armure. Donc, voilà, elle a beaucoup de vie. Mais chaud, quoi. Bah lui, il a été utile avec ses grenades, là. Pas mal. Faut que j'en fasse des grenades... Faut que j'en fasse plus des grenades explosives normales. Parce que, oui, quand on en balance quelques-unes comme ça d'affilée, ça aide. Ça aide, ça aide. Et là, c'est vrai que lui, on lui a mis... C'est quoi? C'est Berserker Assault. Et ben du coup, ça serait super utile en fait d'avoir le fait de pouvoir prendre les grenades de son équipement. Genre, il pourrait les balancer pour un seul point avec Berserk, avec adrénaline là. D'abord, on met l'anti-blindage, comme on a fait. On a testé et ça marchait. On met l'anti-blindage, puis après on fait adrénaline. Comme ça, tous les lancers, c'est un point. Et après, il aurait genre l'habilité pour pouvoir prendre dans son sac sans utiliser de points d'action. Donc du coup, il pourrait balancer 4 grenades d'affilée. Ouais. C'est un peu comme Badaboom, mais différent. Parce que là, en fait, on aurait l'anti-blindage en plus. Ce serait trop bien. Donc, faut que je fasse des grenades normales. Ça, je les avais mis de côté. J'avais même envie de les détruire, mais au final, non, c'est super utile. Bon, bah c'est pas mal. La Scylla a été anéantie. Ça coûte cher en ressources hein, pour ce qu'on récupère, hein, honnêtement. Enfin, on récupère rien. Ouais, faut que je mette des... Non, attends. Genre, on va mettre... le Neuraser, attends, on va l'enlever aussi. Ah, c'est où les grenades? Grenade Odin. 5, 6.
Après quelques feux en plus, pour toujours en avoir en avance, parce qu'on a vu que c'était quand même ultra utile. Alors, une purificatrice, elles sont... Ouais, par contre, l'assaut là, qui est mastodon, l'assaut, du coup, elle peut prendre le lance-flamme. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça aussi, d'avoir le lance-flamme en plus. Genre, un assaut lance-flamme, c'est bien. Ouais, j'en ai plus que 3 de réserve. Ok, là, ça va être notre session grenade, quoi. Encore heureux que maintenant je l'ai fait en une heure. Donc ça va vite. Faudrait peut-être faire un autre lance-flamme. J'en sais. Non, pour l'instant j'ai besoin de rien. Ouais, il y avait juste le Noraser là que je voulais faire en plus. C'est tout. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah c'est bien, mais honnêtement, je dirais vraiment que c'est une perte de temps. Je vais être honnête, c'est vraiment une perte de temps. Je l'ai dit que j'avais récupéré cette base aussi ou pas, je sais plus. Ouais, parce qu'elle était encore en bordure, et je me suis dit, tiens, c'est pas si mal en fait ici. Donc, parce que vu que j'essaye de connecter en fait certains continents ensemble. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va prendre celui-là, parce que je fais beaucoup le trajet comme ça, là. Donc je me suis dit, peut-être qu'on va trouver plus de points, du coup. Déjà, ça aiderait. Et peut-être que ça va aider, quoi. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je l'ai pris, parce que, voilà. Et je crois que... Ouais, il y a une usine, là-dessus. J'ai fait un confinement, aussi, parce que le confinement, il monte vite, au final. Mais ouais. On a des artrons... Un peu étrange. C'est marrant hein, comment ils ont fait les différents trucs. Genre, il y a différentes jambes, différents torses et tout ça. Les têtes, pareil. C'est super stylé. Hein, super stylé. Ouais. On essaiera d'attraper une Scylla. Je sais pas trop comment. Moi, je dirais que faudrait un Aspida. Et vous le mettez avec... genre, on avait vu quand on en a combattu un, là. On en a détruit un. On avait vu qu'il y avait une sorte de canon qui paralysait. Donc ça doit être puissant. Ou alors rien que les tentacules, hein, s'il faut ça passe. Ouais. Mais bon, on a tué la Scylla encore une fois, mais c'est vraiment juste pour la diplomatie. Hein. C'est vraiment juste pour ça, hein, pas autre chose. Hein, parce que c'est pas utile. Hein, de ce qu'on utilise entre... Parce que on a quoi, 150 de matériaux et une soixantaine de technologies, on peut dire que c'est pas beaucoup. Mais j'ai perdu une tourelle. Ah oui, j'ai perdu une tourelle aussi, putain. J'ai perdu une tourelle, j'ai balancé plein de grenades. C'est où les tourelles? Donc, ouais. Ça fait cher, hein. Ça fait super, super cher au final, quand on y pense. Donc ça m'emmerde, un peu. Allez, en tout cas, on va s'arrêter là. Je crois que la prochaine fois, pour le moment, les équipes qui sont le plus proches... Bon, ça repart pour le Behemoth, évidemment. Mais les équipes qui sont le plus proches, c'est les transports. Et on devrait faire sécuriser la Spida. Quand on peut. Peut-être qu'on fera ça aussi en même temps. Enfin, plus ou moins en même temps. Là, on a encore une citadelle. Super. Donc, ouais. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. C'est bien passé. Je suis content. L'équipe fonctionne bien. Par contre, la vidéo, elle est super longue. Mais c'est bon. Les citadelles, c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Parce qu'il faut toujours bien réfléchir à ce qu'on fait. Mais ouais, ça s'est bien passé. Le virus n'était pas vraiment très efficace, là, du coup. Je ne sais pas trop pourquoi ça ne marche pas. Il faudrait que je vérifie. Il faut peut-être tirer ouais, dans les parties sans armure. Mais bon, je suis sûr que la deuxième salve qu'on a envoyée, je suis sûr qu'on était bon. Je sais pas, c'est bizarre. Lui, il a été très utile. Donc ça, c'est bien. Je suis content. Et tout le reste a fait du bon boulot. Hein, a fait du très bon boulot. Là, je suis en train de crafter, vous avez vu, je suis en train de crafter une armure de... comment il s'appelle ? De Jericho. Parce que celle-là, elle est bien... Enfin, en fait, elle est jolie. Elle va bien avec le laser, quoi. Mais c'est pas la meilleure, parce que l'autre, elle est à 40 d'armure pour exactement les mêmes stats.
Peut-être qu'elle est un peu plus lourde. Elle est à 4. Je vais avoir un problème avec ça ou pas? Oh, 24 sur 24, fais chier. Ah, oh, je lui augmenterai la force à la limite. Parce que j'ai pas envie de changer son build en fait. Enfin, quoi que je peux enlever ça pour le moment, c'est vrai. Ouais, on verra. Je vais enlever ça. Voilà. Enfin voilà. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.